15 Ivoiriens, voilà une polémique encore. Il y a une vidéo qui a circulé sur la toile. On dit à Poutou National, il a partagé plusieurs millions. Donc la police nationale fait les enquêtes. Mais parmi nous tous, nous savons que Apoutou, c'est un influenceur. Sa page est monétisée et nous savons qu'il a beaucoup d'entreprises. Donc cette somme-là, il peut la voir tranquillement, sans faire de mauvaises choses. Parce que même quand ta page est monétisée, tu gagnes des millions chaque fin du mois. En tout cas, ne vous inquiétez pas, moi je sais qu'Apoutou National ne va pas avoir de problème. Parce qu'il ne fait pas de faux trucs. Apoutou National ne vole pas. Il est sur le droit chemin. Il a ses entreprises grâce à sa monétisation, grâce à ses publicités. Il fait des promotions, il fait des collaborations avec un Isbert, il fait avec beaucoup de choses. Voilà. Et que quand tu es un influenceur, quand tu as des contrats comme ça avec TapTapTapTapSaint, avec beaucoup de d'entreprises, tu peux avoir des millions le mois. Donc, son argent là, c'est son argent qu'il a gardé tranquillement. Moi, en tout cas, j'ai la foi que rien ne pourra arriver à Poutou National parce qu'il est sur le droit. Au moins, si c'était un faux mouvement, on pourrait dire que... Donc, ne vous inquiétez pas, le Poutou National a le droit d'avoir cette somme-là. Famille, Poutou National a été arrêté, libéré et arrêté encore. Bon, c'est-à-dire le même jour-là, on a fait deux arrestations sur Poutou National. Présentement, comme je vous parle là, Poutou National est toujours aux arrêts. Oui, parce qu'on parle de l'argent qu'on a présenté là, les gens pensent que c'est des blagues. On dit, quelqu'un à lui seul a présenté sur les réseaux sociaux 250 millions. Toi, tu dis que nous qui parlons là, c'est que nous sommes jaloux. Toi-même là, dans ton compte, il y a combien? Tu sais que tu as un compte bancaire? Quelqu'un a présenté lui seul 250 millions. Il fait quoi pour avoir 250 millions comme ça en cash? En état brut, 250 millions, il fait quoi? C'est la question qu'on pose. Mais vous allez dire que non, les autorités de la Côte d'Ivoire, je vois les vidéos, les autorités de la Côte d'Ivoire exagèrent, il y a des problèmes plus importants, ils n'interviennent pas dans les problèmes plus importants, ils viennent intervenir dans du n'importe quoi, et tout, et comme ça. Ils viennent intervenir dans les problèmes qui ne sont pas importants, et tout, et comme ça. Tu sais ce que ça veut dire 250 millions? 250 millions pour lui seul, il fait quoi pour avoir tout ça? Et même s'il avait la capacité, les moyens d'avoir ça, il fait quoi avec tout ça à l'état brut? Il fait quoi avec tout ça là, dans ses mains à l'état brut? Une fois, là, boum, 250 millions, il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? C'est la question qui se pose. Bon, c'est-à-dire, le même jour on a libéré Apoutou, le même jour on lui a encore arrêté. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est grave? On le libère aujourd'hui, on l'arrête encore aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Même si c'est moi le policier qui suit cette affaire, si c'est moi le policier qui suit cette affaire-là, l'affaire de 250 millions, si c'est moi le policier qui suit ça, dans ça là, si je n'ai pas ma part même 20 millions, hein, je ne laisse pas l'affaire là. Oui, si c'est moi le policier qui suit l'affaire là, si je n'ai pas ma part dedans 20 millions, je ne laisse pas ça. Parce qu'il est inadmissible que tu vas t'afficher avec une telle somme d'argent et on va te laisser comme ça. Hein? Même d'ailleurs là, les agresseurs ne vont pas te laisser. Tu nous frustres. Cette somme d'argent là nous a frustrés. Nous les enfants des pauvres, on se sent frustrés. On a été frustrés. On a paniqué, on a même tremblé. Depuis que nous sommes nés, on ne fait que travailler dur. On travaille dur depuis qu'on a vu le jour. Mais on n'a jamais accumulé même 10 millions pour nous. Si tu nous secouilles même aujourd'hui là, même 1 million tu ne vas pas voir. Mais quelqu'un nous présente 250 millions, on dit qu'il n'y a pas de problème en cash. Voilà ça. Voilà ça, la vie de vouloir trop se montrer. La vie de vouloir trop faire le buzz, les vues. Voilà ça. Et pire encore, c'est que ce n'est pas son agent, c'est l'agent de son ami. On gère ça comment? Là, 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 on fait comment? C'est vrai, on critique, on parle. Mais il ne faudrait pas oublier qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des lois. Il faut respecter les lois. De la même façon que vous dites que moi, je parle en connaissance de mes droits et de mes devoirs, c'est comme ça doit être pareil pour tout le monde. Apoutou a exhibé une forte somme d'argent. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que la police économique lui pose des questions sur l'obtention de ce butin-là. Donc il va aller tranquillement, il va s'expliquer, il va dire comment il a fait pour avoir cet argent-là. Si cette somme-là ne lui appartient pas, il va dire c'est pour qui aussi et dans quel but il a fait cette vidéo-là. C'est pas pour dire que c'est récent en Côte d'Ivoire, c'est pas en critique, mais pas en critiquer n'importe comment. En Côte d'Ivoire ici, là, on a vu le député Touré Alpha Yaya. Je dis, c'est chaud hein, cette histoire-là. C'est pas petit pour quand même, Apoutou. L'argent qui n'est pas pour toi, Apoutou National. L'argent qui n'est pas pour toi. Tellement tu veux te vanter, tellement tu veux faire croire aux gens à Poutou National, hein? Tu n'as pas pitié de pleurer Brigitte. C'est vrai que tu as connu la souffrance. Non, ça me fait trop mal quoi. Vous savez que moi, je ne lance pas direct comme ça. Moi, Nicolo là, je ne lance pas live comme ça. Quand je lance live là, c'est que c'est quelque chose qui me touche. Et puis je sors, je parle. Sinon, je fais mes vidéos et puis je passe. Hein, Apoutou? Apoutou National. Tu as commencé ici, doucement, 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 doucement. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct, mettez le cœur. Apoutou, Dieu t'a élevé. Dieu a eu pitié de votre souffrance, de votre pauvreté, de ton parcours avec ta maman. Comment vous avez galéré, Apoutou National. Dieu t'a béni. Tu es arrivé en France ici, Apoutou. Tu t'es venu faire garde de corps. Assurer la sécurité de Mas Gardel, Apoutou. Tout ça là, tu as oublié. Et tu es venu. Après avoir fait garde de corps, tu as allé travailler comment vigile. Apoutou, tu as oublié tout ça. Dieu t'a fait grâce. Hein? Parce qu'il voulait te bénir. Parce qu'il a eu pitié de vous. Tu es devenu un grand influenceur aujourd'hui.
qui a influencé tellement de monde. Tu as le Git. Tu as quoi approuvé? Apoutou National. Tu as quoi approuvé? Toutes les mamans se sont levées ici pour taper la poitrine. Apoutou. Pour te soulever. Pour te dire qu'elles sont fières de toi. Toutes les mamans étaient fières de toi, Apoutou National. Tu t'es aimé par toutes les mamans, les femmes. Elles t'aimaient comme ça. Parce qu'elles ont vu un enfant, un jeune homme, humble. Apoutou. Apoutou, il est très humble. Apoutou est très humble. Mais je ne sais pas pourquoi deux jours là, Apoutou, tu veux faire la grosse tête. Tu veux avoir la grosse tête. Eh? Attends, mais je suis dépassé. Donc si je comprends bien là, l'argent peut changer les gens comme ça. Donc l'argent peut, ça dit que, modifier la personnalité de quelqu'un comme ça. Apoutou. L'argent n'est pas pour toi. C'est pas ton argent. Tu as oublié ta pauvreté d'avant. Tu as oublié quand tu tombais dans le studio avec ta maman bleue Brigitte. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vouloir se vanter? Pourquoi venir frustrer ceux qui n'ont pas l'argent? L'argent qui n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi, Apoutou. L'argent de Lionel PC. C'est pas ton argent. Déjà oui, tu as un gros problème avec cette histoire de taxi, de Sotok. Le monsieur de Sotok là aussi, il a fui l'argent des gens qui sont venus. Hein, donner l'argent à Sotok pour pouvoir avoir un taxi, des taxis pour se mettre au travail d'Abidjan. Déjà, il y a ça sur ta tête. Tu n'as pas encore réglé. Apoutou, tu es un père de famille. Toi seul, tu as jusqu'à deux femmes. Et en France, et en Côte d'Ivoire. Une en Côte d'Ivoire. Et Apoutou, tu étais me rendre zinzin comme toi avant, non? Tu étais me rendre zinzin en train de me faire parler un français tordu. Tellement que j'apprécie ce jeune homme-là. Tellement je t'apprécie, tellement j'apprécie Apoutou. Vous ne pouvez même pas imaginer. De toute façon, j'aime cet enfant, ce jeune homme-là, Apoutou-là. Aujourd'hui, te voilà aujourd'hui, en garde à vue. Aujourd'hui, te voilà. Toi, tu as affaire aujourd'hui à la justice, à la chose, à la police. C'est pour dire que pays-là, c'est pour dire la Côte d'Ivoire-là, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire-là, aujourd'hui-là, les lois sont appliquées. Les lois sont appliquées en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une histoire que j'ai bras longs. Il n'y a pas une question de dire que non, je suis le fils de Bleu Brigitte. Il n'y a plus ça. Ça, comment tu peux venir faire une vidéo avec autant d'argent, avec toutes ces liasses d'argent, Apoutou, dans un sac Louis Vuitton? Déjà même le sac Louis Vuitton là, même là, c'est original, nous on sait, parce que vous avez l'argent pour payer tout ça. Maintenant mettre au moins 200 millions dans ce sac filmé et tu assis sur la chaise, Apoutou, faisant croire aux gens que l'argent t'appartient. Le PC, c'est un debout, hein? C'est un debout, Dieu se sait. Mais nous continuons toujours de croire le PC, je continue de croire en lui parce que c'est un jeune talentueux qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, qui continue de faire des beaux. Mais souvent il chauffe ma tête. Voilà, souvent il m'envoie des coupons sans réfléchir. Quand il finit de fumer, c'est Bangé là, c'est Chicha qui fume dans sa villa qu'il a payé. Bon, il a payé maintenant deuxième villa de 270 millions là. Souvent quand il y a le temps, les gens m'appellent. Ah, vous tuez ton pétard même là. Est-ce que vous n'êtes pas fou? Est-ce que vous ne fumez pas dans vos têtes là? Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui joue contre deux mots, quelqu'un qui fait des trucs connus là, c'est le PCS. Le PCS, lui, c'est un debout. C'est un debout, c'est pas un jeune qui est discret, qui n'est pas dans les histoires de travaillement, de partir dans les shows, qui est chez lui à la maison, qui se concentre sur ses activités, son travail, sa famille. Ça, c'est mon bon petit, ça, c'est mon protégé même. C'est un enfant qui respecte, qui est humble jusqu'à la paresse. Il appelle tout le monde vieux père. Bon, je suis plus âgé que lui de plus de 8 ans, 7 ans, mais c'est quelqu'un. Quand on parle de l'argent, il a l'argent que moi. Hein. C'est pas du moins, il a l'argent que moi. Donc là, il ne peut pas même me prendre en chose, mais c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Voilà. Tu dois déjà t'abonner. Tu sais pourquoi? En t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou bien si tu as quelque chose à dire.